Exactement, tu le remets encore une seule fois au sol. La vie de ma mère que tu ressors pas vivant d'ici. Vie de ma mère, tu sors pas vivant. Comment ça, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, qu'est-ce que tu fais là? Restons. Bon, l'équipe, c'est Nicolas. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que tous mes sons étaient disponibles sur Spotify. Donc, je vous mets le lien de mon Spotify en description. N'hésitez pas à aller check ça. Voilà, sachez que pour le mois de décembre, je vais sortir une mixtape. Alors, plein de nouveaux sons. Je me suis investi vraiment à 2000% dedans. Parce que là, ça va vraiment être d'un autre level. Voilà, de toute façon, vous verrez, il y aura des featuring dedans. Il y aura du très, très, très sale. Je pense que vous allez bien kiffer. En tout cas, voilà, au moins c'est annoncé. Merci beaucoup à tous ceux qui soutiendront le projet. C'est dans le four, c'est en préparation. Ça arrive pour le mois de décembre. Je vous tiens au courant. Ce qui se passe dans ma tête, j'en ai marre d'entendre des voix. Je suis perdu dans un monde sans issue, je peux pas faire de choix. Salut tout le monde, c'est Mikalash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où j'ai tout simplement piégé un escroc sur le Bon Coin. Donc voilà, c'était un escroc qui vendait des articles de marques de luxe de contrefaçon sur le Bon Coin en faisant croire que c'était des vrais. Donc voilà, comme par exemple là, en l'occurrence, il vendait un short Burberry de contrefaçon en le faisant passer pour un vrai et en le vendant bien sûr au prix d'un. Donc voilà, je vous le dis direct, cette vidéo elle a plutôt mal tourné. Je vous laisserai voir ce qui s'est passé à la fin. Enfin bref, pas besoin de vous en dire plus. De toute façon, vous verrez par vous-même dans la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes pour me soutenir si la vidéo vous plaît. Vous savez, c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre les futures vidéos et à partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Comme d'habitude, bien sûr, faites attention à vous, à tout ce genre d'escrocs que je peux vous présenter en vidéo. Sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. L'équipe, je crois qu'il est juste là-bas, je crois que c'est lui. Il arrive enfin, il me dit ouais, j'arrive. Ça doit être lui en noir là. Je vais l'appeler. Oh, viens là, toi, viens! Non, non, essaye! Viens ici! Ah, c'est mon frère, désolé, stop! Ouais, c'est... Non, c'est bon, c'est sérieux ou quoi? C'est stop, on est dans le Bon Coin! Attends, tu me dis quelque chose, toi! Comment ça, tu dis quelque chose? Tu me dis quelque chose! Ta tête, je l'ai déjà vue quelque part! Comment ça, t'as déjà vu ma tête? Ta tête, je l'ai déjà vue quelque part! Stop, on est dans le Bon Coin? Ouais, c'est moi, mais attends, tu me dis quelque chose, t'es qui, toi? Mais c'est moi pour l'annonce sur Bon Coin, tu me reconnais pas pour l'annonce sur Bon Coin, ça va, frère? Je vais pour t'acheter le short Burberry, c'est bien ça? Écoute-moi, déjà de 1. Quoi? Tu plus jamais comme ça, je suis pas ton collègue, hein? Non, je sais, mais je t'appelais tranquillement. Comment ça, je sais, je t'appelais normal, comment ça? T'as pas été collègue comme ça? Mais c'est comme ça qu'on fait dans le quartier, non? Mais moi, je suis pas du quartier, frère. Comment ça, moi, je viens pas d'où tu viens, hein? Moi, je viens du quartier, frère, dans le quartier, on s'appelle comme ça, frère. Au quartier, quand il y a quelqu'un qui vient, on lui dit pas bonjour, on lui dit nique ta. On lui dit pas mais comment ça? Moi, tu me parles pas comme ça. Non, c'est bon. Moi, tu me parles pas comme ça. Non, je te parle pas comme ça. Moi, je suis pas ton collègue, hein. Non, mais justement, t'es pas mon collègue, justement. Justement, frère, t'es pas mon collègue. Non, mais tu fais sérieux, t'es un déglingo, toi. Non, c'est bon. Non, mais... t'es un déglingo. Non, c'est bon, vas-y. T'es fatigué, mais pas plus comme ça. Oh, je t'arrache la tête, hein. C'est bon, frère. Oh, je te dévisse la mâchoire. Mais non, frère. Reparle-moi encore comme ça. Une seule fois, je te dévisse c'est la mâchoire. C'est bon, d'accord. Mais. T'es un déglingo, mais t'es un déglingo. Comment ça, tu me dévisse la mâchoire, t'as. Ah, je te dévisse la mâchoire. T'as un tournevis. Dis donc, je t'ai fait racler au sol, hein. Comment ça, tu fais racler maintenant? Ah, je te mets la tête sur le sol. Comment ça, la tête sur le sol? Ah, écrasement de tête, hein. Ah ouais, comme dans le film, là. Quand il fait comme ça, genre comme ça, là. Ah ouais! Tu m'as fatigué! Vas-y, hein. Tu sais quoi? Regarde, frère, laisse tomber, on va pas se prendre la tête, on va parler du short, c'est ce qui est important. Ouais, c'est le short, vois. C'est ça, tu mais le short. Comment ça? Tu m'as dit, je t'ai déjà vu quelque part, je sais pas ouais, quoi. Ouais, tu me dis quelque chose, gros, ta tête, elle me dit quelque chose. Oh. Ah ouais? Ah ouais! Attends, gros. Quelque part. Gros! Ta tête, elle me dit quelque chose. Mais quoi? En mal ou en bien, genre? Je sais pas, mais ta tête, elle me dit quelque chose. En gros, c'est quoi? C'est fou, je pense, dans la vie, y a pas de coïncidence, tu vois. Ce matin, je me suis regardé dans la glace, frère, la vie de ma mère, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, lui, il me dit quelque chose, frère. Et là, tu me le dis pareil, ça me fait des trucs bizarres, tu vois. Là, je commence à. Oh, gros, qu'est-ce que tu racontes? J'en ai rien à foutre de toute ton histoire. Je vais être pas bien, gros. Là, je commence à être dans le mal, tu comprends? Ouais, dans le mal alpha, gros. Tu comprends? Là, je commence à péter les plombs, gros. Ce matin, je me dis, ouais, lui, j'ai déjà vu quelque part. Toi, tu viens, tu me dis que tu m'as déjà vu quelque part. Lui, là-bas, il m'a déjà vu. Mais lui, là, il y a personne là-bas. Ah, tu vois, frère, mais... Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, je vais te ligoter toi. Je suis à ligoter frère, reste tranquille là. Oh, je vais te mettre du scotch sur la bouche. Pourquoi? Je sais pas, t'es là, tu me racontes le miroir, pas le miroir, et c'est bon. Mais tu m'as dit tu m'as déjà vu quelque part, pourquoi tu me dis ça frère? Je comprends pas, moi-même je me suis fait la réflexion. Mais c'est bon, j'en ai rien à foutre, je vais réfléchir à où je t'ai vu, et après on en reparlera. Mais tu m'as arrête... vu où genre? J'en sais rien, arrête de me gonfler, prends ton short, tiens. Prends-le ton short, toi. C'est le short? Ouais, c'est le short. Tu le vends combien? 150, on avait dit? 150. Putain, c'est cher pour un short comme ça. C'est du Burberry, frère. Tiens, du quoi? Du quoi, t'as dit? C'est du Burberry. Du quoi? Du Burberry. Oh, prends, tu rigoles. Oh, mon short. C'est du Burberry. Il y a quoi que tu comprends pas? Du quoi, frère? Du Burberry? Du Burberry. Oh, désolé, frère, c'est bon, tranquille, genre des. Désolé, mais frère. T'es un fanat, toi, tu nous jettes par terre comme ça. Mais non, j'ai tapé un fou rire, frère, je suis désolé. Oh, tu fais ça dans mon quartier, mais tu te fais découper la tête, toi. Mais c'est bon, frérot, j'ai rigolé un peu, c'est tout. C'est... Oh, ton quartier de bisounours, je sais pas quoi, là.
mais tu te fais découper la tête. Mais je vais te l'acheter. T'es ton short, t'inquiète, frère. Maman, attends, frère. Tout le mois 150 euros. J'ai pas les sous, frère. Tu te racontes? Bah les sous, je les ai pas. Tu m'appelles, tu me dis, oh gros, je vais acheter ton short, et tu me dis, t'as pas les sous. Bah les sous, je les ai pas, frère. Mais tu es malade. Pourquoi? Y'a quoi que tu comprends pas, là? C'est une vente. Mais ouais. Tu crois que c'est nos brocantes, là? Bah non, mais pourquoi, frère? Tu crois que je te l'offre? Tu crois que c'est quoi, les réseaux du cœur? Non, après, je peux faire peut-être un crédit à la banque, tu vois. Y'a pas de crédit, là. Oh, tu me gonfles, là. Je sais pas, frère. Ah, mais si tu le prends pas, moi, je le prends. Non, c'est bon, je vais te l'acheter, t'inquiète. Eh, mais tu me dis, t'as pas les sous, tu me dis, je l'achète, y'a quoi que tu comprends pas, là? Je comprends pas, moi. Non, mais attends, gros, je t'explique déjà. Genre, toi, tu dis que tu m'as déjà vu quelque part, tu vois. Arrête de revenir là-dessus, de... Tu m'as déjà vu quelque part, frère? La tête me dit quelque chose, je l'ai vu quelque part, mais je sais pas où, maintenant arrête de me gonfler, donne-moi les sous, je me casse. Mais parce qu'en fait, genre, peut-être que je... Ah ouais, gros, je sais, gros. En fait, ah ouais, ma tête, elle te dit quelque chose, genre. Oh, ça fait 50 fois que je te le dis. Mais ouais, mais gros, mais moi, je fais des musiques. Qu'est-ce que tu me racontes? Je fais de la musique. Cobaladé. Mais qu'est-ce que tu racontes, cobaladé, c'est un noir, de quoi tu me parles? Eh ben, je suis noir, frère. C'est moi cobaladé, frère. Écoute-moi, frère, je vais t'arracher la tête. Mais pourquoi tu m'as arraché la tête, frère? Ah, me touche pas. Mais non, tranquille. Ah, tu me connais pas. Moi, je te casse la gueule. Mais pourquoi? Tu es fatigué. Mais non, frère, mais je... Ton short, au pire, tu peux pas me le donner, genre? Qu'est-ce que donner? Je t'ai dit, c'est les réseaux du cœur. Mais tu m'as dit quoi? C'est Burberry? Burberry, y'a quoi que tu comprends pas? Mais pourquoi alors tu le mets dans un sac Monoprix? C'est Monoprix en fait, c'est un short Monoprix, c'est ça? Tu me racontes, hein, c'est marqué Burberry. Et pourquoi t'as un sac Monoprix alors? Et c'est pour le transporter. T'as la facture du short? Tu crois que j'ai la facture avec moi? Tu crois que je me trimballe avec la facture ou quoi? T'as pas la facture du short? Je crois que j'ai que ça à faire. Et comment je sais que c'est un vrai ou un faux, moi? Je pars du magasin sans facture, pas facturé. Comment je sais que c'est un vrai ou un faux, moi? Eh ben c'est marqué Burberry, tu veux que ce soit marqué quoi? C'est quoi? Y'a qu'une seule façon de le savoir, gros. Regarde, gros, on va faire juste un test, tu vois. On va voir si le short est vrai ou pas. Mais de quoi tu me parles? Y'a pas de test, t'as pas les sous, tu me gonfles là. On va voir s'il est véritable. Ah non, je vais te dépouiller toi. Non, c'est bon, je vais te dépouiller. J'ai passé les sous. Donne-moi les sous maintenant. Je les ai pas. Mais donne-moi les sous. Mais comment ça t'as non, pas je les rigole, sous? Je les ai, c'est bon, t'inquiète. Juste, je vais voir si le short il est vrai ou pas. Je vois s'il est vrai ou pas. Écoute, t'as pas les sous, écoute-moi. Tu as pas les sous, je te dépouille, je te prends toutes tes affaires là. Je veux tester le short. Je te prends toutes tes affaires, t'as compris? Écoute-moi, tu as compris. J'ai compris. J'ai compris. Non, arrête de foutre ma gueule, je vais te lâcher la tête. C'est bon. Vas-y, baisse la main, frère. Laisse-moi essayer le short. Le short. Les Burberry, tu m'as dit. Les Burberry. Il y a qu'une seule manière de savoir s'ils sont vrais ou faux. En gros, recule-toi un peu, frère. Recule-toi un peu, je vais te montrer, il faut voir de loin, ça se voit de loin, genre. En gros, il y a une légende qui raconte que les Burberry, genre en fait... Les vrais Burberry. À ce qui paraît, on raconte que les vrais Burberry, on peut s'en servir genre comme paillasson, comme ça. Et à ce qui paraît, ils prennent pas les saletés, genre. Ils prennent pas les saletés, genre. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Fais gaffe, frère, t'as fait me balayer, là, qu'est-ce que tu fais? J'en ai rien à foutre, t'es sérieux? C'est un faux, regarde, il y a des traces, là. C'est normal, je suis jamais au sol, tu es sérieux ou quoi? C'est un faux, il y a des traces, frère, la tête de ma mère. Les vrais Burberry, ils prennent pas les traces en paillasson. Oh, mais écoute, c'est monsieur Burberry lui-même qui me l'a dit. Si je te fais la gueule avec, il y a des marques aussi sur ton visage, quoi. Mais calme-toi, frère, quand tu me fais. Je vais t'arracher le visage, je suis complètement fan à toi. Mais c'est monsieur Burberry lui-même. Monsieur Burberry, arrête de me prendre pour un con. Il n'y a pas les traces de pied normalement. C'est bon, tranquille. Oh, monsieur Burberry, t'es combaladé, arrête de foutre ma gueule maintenant, je vais t'arracher la tête. Mais non, fais ta gueule, frère, tu te Mais non, tu payes. Mais j'ai pas les sous. T'es complètement malade ou quoi? J'ai pas les sous, frère. Comment ça, t'as pas les sous? On fait comment? Mais on fait comment? Tu vas me donner les sous? Attends, je vais rentrer chez moi, je vais le donner. Non. C'est un faux, ton short. Je m'en bats les couilles. Les traces, c'est pas un vrai. Moi, je prends pas oh, ça. Oh, tu restes là, tu me donnes les sous maintenant. T'es sérieux? Bon, vas-y, je veux bien te le prendre, donner les sous, mais laisse-moi l'essayer avant au moins. Je vois au moins, c'est un matail, tu vois. Écoute-moi, tu le remets encore une seule fois au sol. La vie de ma mère que tu ressors pas vivant d'ici. C'est bon. Tu ressors pas vivant d'ici. Ouais, vas-y. Et maintenant, je rigole avec toi, tu me fais des blagues. Mais moi, j'ai bien rigolé. Ouais, c'est bon, tranquille. Moi, je te sors pas vivant d'ici. Enfin, moi, j'ai bien rigolé en tout cas. Ouais, tu as bien rigolé. Mais moi, je vais bien rigoler quand je vais découper ton corps là. Ouais, c'est bon, frère, vas-y, laisse-moi l'essayer. Et après, je te le paye. Ouais, c'est bon. Dépêche-toi de l'essayer là, tu m'as gonflé. Ah, frère, par contre, ça te dérange pas, s'il te plaît, tu te tournes. Parce que je vais mettre en caleçon et tout quand même. C'est intime, tu vois. C'est intima, frère. C'est bon? Juste mets-toi là, regarde. Je me mets là. Juste tourne-toi, frère. Mets-toi là-bas, genre. Ouais, vers là-bas, genre. Ouais, écoute-moi, tu me fais une connerie. T'as vu, je te mets ta tête dans le sac et je t'étouffe. Allez. C'est bon, frère. Juste regarde là-bas. Je veux pas que tu me regardes quand je me change. Regarde là-bas, là. Allez, la voiture bleue, là. La belle voiture bleue, là. La voiture bleue, allez. Va, tu me Ah.
Ah, attends. Ah, frère. Oh, qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce qu'il y a, frère? Qu'est-ce qu'il y a, gros? Je le ramasse. Mais frère, non, j'avais envie de pisser. Mais t'es sérieux ou quoi? Tu te fous ma gueule? Eh, frère, non, mais je vais t'arracher la tête. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Reste tranquille, reste tranquille, c'est bon. Ouais, tu es complètement fanat. J'ai juste un peu pissé dessus, frère, c'est bon. De toute façon, ça, c'est de la pisse. La pisse, c'est de l'eau, frère. L'alcool, c'est de l'eau. La pisse, c'est de l'eau, frère. T'as vu de ma mère, tu sens pas vivant. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille. Recule. Joue pas avec ça. Tu veux jouer avec ça? Joue pas avec ça. Ouais? Il avait un couteau, gros. Il a voulu me planter, gros. Ah, il m'a fait caguer, gros. Il m'a sorti ça de la poche direct. Des fois, je me kiffe, des fois, je me déteste. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. J'en ai marre d'entendre des voix.